c'est Kamoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant tout, je tenais à vous faire découvrir mon nouveau décor, voilà. Donc, comme vous pourrez le voir, il y a un tableau, il y a des fleurs artificielles, il y a mon trophée YouTube ici, enfin bref, il y a l'heure cachée par un arbre, mais bref. C'est le nouveau décor et j'espère qu'il vous plaira, c'est ici qu'on fera les nouvelles intros et les nouvelles outros. Pour cette nouvelle vidéo, c'est simple, j'ai pris une poussette à laquelle j'ai accroché une corde devant des escaliers et je vais demander aux gens se trouvant sur mon chemin de prendre une photo de moi avec la poussette et au moment où ils prendront la photo, la poussette tombera dans les escaliers justement pour voir la réaction des gens. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, je fais une petite publicité pour mon poteau Trillionnaire Prono. Maintenant, tout se passe sur Instagram. Je mets son Insta ici. Vous pouvez le rajouter. Il fait de très bons pronos. Et maintenant, il sera accessible que sur Insta. Car son Snapchat était vraiment plein et il ne pouvait pas répondre à tout le monde. Dédicace aussi au poteau Une Vie qui fait des streams et des lives sur Fortnite. Il fait gagner des V-Bucks, il fait gagner des packs skins, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube qui se situe juste au-dessus et vous ne serez pas déçu du voyage. En attendant, je vous laisse regarder la vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira et on se retrouve à la fin pour une conclusion comme d'habitude. Ciao! Donc voilà les amis, aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Donc il y a Soso, le frangin, le snap s'affiche en dessous et Bâtard. Le snap s'affiche en dessous, non plutôt sur sa gueule d'ailleurs. Mets-le là, snap, on va y mettre ici. Alors, on a une poussette entre les mains avec bien entendu une peluche dedans. Je vais me poster en haut d'un escalier. On va fixer une corde à la poussette. Je vais demander aux gens de me prendre en photo avec mon bébé. Et au moment où on prendra la photo, un des deux tirera la corde pour faire croire que le bébé tombe des escaliers pour voir la réaction des gens. Bien entendu, ne reproduisez pas ça chez vous avec un vrai enfant. Bon les amis, donc là on est dans un endroit assez tranquille, on est dans un quartier. Et ce qu'on va faire, c'est que voilà, bon là comme vous le voyez, j'ai mis une corde. Elle descend en bas dans l'angle, donc il y aura Soso ou Bâtard qui se mettront dans l'angle pour tirer la corde. Vous voyez, on a mis des bâtons, tout ça. Là, on a mis une petite peluche. Donc ce qu'on va faire pour pas que les gens y voient que c'est une peluche, tout simplement, on va faire comme ça. Bon, ça fait un peu chauffer, mais bon, sur le coup, les gens ils regardent pas ça. Petit bonnet. Maintenant qu'on a mis des bâtons, pour pas qu'on voie que ça... Parce que là, ça fait chauffer, c'est vrai, ça fait chauffer. Paf, on fait quoi? On met la veste par-dessus. Tu vois? Et là, ça passe nickel. Donc là, on attend les gens, Soso, tu te mets en place. Bâtard, pareil, tu te mets avec le caméraman. Y'a plus qu'à attendre frangin, dès que je mets un couteau, tu tires sec. Frérot, y'a un gadjo là-bas, je vais lui demander, y'a un mec, putain. Voilà, c'est bon. Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous dérangez. Vous pouvez me prendre avec mon petit s'il vous plaît, ça vous dérange pas? Ah oui, non. Je suis juste à côté là comme ça et... C'est bon? Ouais. Oh oui, monsieur, monsieur. Ah mais attendez, je comprends pas là. Vous me prenez pour le con, monsieur? C'est mon enfant. Il y a une ours, vous prenez ça, j'ai pas le temps. Mais... Parce que j'ai fait l'amour avec un ours et ça a donné ça. Complètement jobard. Et pourquoi? C'est un plan, hein. J'ai fait l'amour avec un ours. Une fois, j'étais dans la forêt, j'ai croisé un ours, j'ai fait l'amour avec lui. Et ça a donné un enfant, ours, un nounours. Et du coup, je vais prendre des photos avec lui. Vous pouvez m'aider à... Non, mais pourquoi il y a une corde là? C'est qui vous? Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas en fait. Vous êtes qui en fait? Vous êtes son collègue, ça? Vous avez mis à faire les guignols, ça c'est dimanche, vous faites les guignols comme ça? Je suis l'oncle. Ça, monsieur, c'était une caméra cachée. C'est une caméra cachée, elle est là, la caméra. Vous voulez prendre une photo avec votre enfant? Regarde, la caméra est là, regardez. J'ai le cœur, il bat à 100 à l'heure. Pourquoi faites ça? Bon, je sais pas, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Vous pouvez m'aider à remonter mon enfant? Je vais vous faire monsieur. Bon, y'a un mec qui fait le footing, je vais essayer de l'intercepter. Monsieur, bonjour, excusez-moi. Ça vous dérangerait de me prendre en photo avec mon enfant, s'il vous plaît? Ouais, comme ça, parfait. Ouais, parfait, parfait. Ouais. Oh, 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 putain, mon enfant! C'est comme ça, il y a une peluche. Non, il y avait mon enfant, hein, à la base. Bah, j'ai pas une tête de clown, je rigole pas, je suis en train de faire mon sport, vous me dérangez, vous prenez une photo, vous me faites des conneries, il y a une corde et tout. Lui, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, j'ai pas le temps pour des conneries, que ça à faire, moi. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi? C'est une caméra cachée, il y a une caméra juste là. Ah, vous êtes con, là, hein. Et là, ils sont vraiment fous. Hein. Ah, c'est nous, on fait les choses de ce gag un peu, frangin. On remet tout en place, on attend encore des gens. Bonjour, monsieur. Ça vous dérangerait de me prendre en photo avec mon petit? Non, c'est vous faites, monsieur. J'habite au quartier, mais j'ai ma femme, elle est partie au travail, du coup, j'ai personne pour prendre une photo. Bon, alors, ouais, bah, venez, je vous prends la photo. Non, monsieur. Venez voir, venez m'aider, s'il vous plaît. Ah, mais c'est un nounours.
C'est un nounours. C'est un nounours ? Eh oui, monsieur. Ah ouais, c'est un nounours, putain. Putain, vous m'avez fait peur, la peur de ma vie. Vous pouvez m'aider à le remonter ? Monsieur, c'est un nounours. Oui, mais vous pouvez m'aider à remonter ? C'est votre collègue, en plus, c'est votre collègue derrière. Qui c'est ? C'est vous qui avez fait la blague, monsieur ? Ouais, c'était une blague. Félicitations, ouais. Tiens, tu as bien joué la blague, alors. C'est... Moi aussi, vous faites une blague. Elle est là, la caméra. Et c'est quoi, comment ça, la caméra ? Filmez pas mon visage, monsieur. Et c'est quoi, vous faites sur quoi ça ? Passe à la télé. Passe à la télé ? Non, on passe à la télé. Mais comment ça, ça passe sur... à quelle chaîne ? MTV. MTV ? Non, moi j'allais appeler les ambulances, tout ça. J'ai vraiment eu peur quand j'ai vu que c'est tombé comme ça. Après, quand j'ai vu que c'était un nounours, ça m'a rassuré, ça m'a fait rire, ma foi. Bon, ça va. Ah, vous êtes un peu con. Ah, les gars, c'est une blague. Eh, comment, monsieur ? Ah, monsieur, je vous ai franqué. Ah, monsieur, je vous ai franqué. Eh, je l'ai franqué. Je crois qu'il a pris ton téléphone, le salaud. Oh, le téléphone, frère. Monsieur ! Le téléphone ! Bonjour, monsieur, excusez-moi. Je suis avec mon petit, je voudrais prendre une photo du quartier avec mon gosse pour immortaliser le moment. Ouais, ça vous dérange, moi ? Attends, je suis tout seul. Ouais, il a quel âge ? Ah, il a 2 mois. Ouais, 2 mois. Une belle photo, vous essayez de bien cadrer, enfin. Allez. Ah, putain, il est trop devant, trop devant. Son mère, il y a une bande de fous. Qu'est-ce que c'est ? C'est une blague. Eh, je t'ai pranké. Ah, mais je vous reconnais, mais je suis con, vous avez la casquette qu'elle m'offre en plus. Mais elle est où la télé, là ? Elle est sur le toit. Ah, putain, vous partez trop loin. Mais... Eh, ah, tu as pas mal pris. Ah, tu m'as fait une frayeur, quoi. Bon, c'est bon, je vais faire tranquille. Attends, gros. J'ai un coup de chaud, là. Tu peux m'aider à remonter la poussette ? Non. S'il te plaît, ça va, hein. Ah, tu m'aimes bien, mais tu veux pas m'aider. Ah, le mec en vrille, c'est cagué dessus, frérot. C'est un truc de fou. Ah. Ah, bah, si tu m'aides à remonter, je te prends la photo, c'est bon ? C'est bon, c'est moins deal. Aide-moi, moi, ça. C'est bon, je peux prendre la photo ? Nickel. Jeune qui arrive. Essaye de le filmer. Ça va ou quoi ? Excuse-moi, je pourrais te demander un petit service ? Ouais. Est-ce que tu peux me prendre en photo avec mon petit ? C'est pas de soucis. Ouais. Ça te dérange pas ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Non ! Mon petit, frère ! Mon petit ! Oh, les gars, il se taille avec le téléphone. Il se taille. Vas-y. Comment tu vas cramer ? Bon, lâche-le. Tu vas aller où, là ? Qu'est-ce que tu vas faire, là ? Eh ben, on te filme, allez, viens. Vas-y, viens, qu'est-ce que tu vas faire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça aurait été un vrai enfant, ça aurait été un vrai gosse. Tu l'aurais laissé en galère, et tu serais parti avec le téléphone. Tu crois qu'en volant le téléphone, tu vas devenir millionnaire ? Eh non, mais ça me fait un peu d'argent. Tu en as besoin de l'argent ? Tu es sapin à la coste. Tu veux de l'argent dans ta veste, déjà ? Je l'ai volé, la veste. Ah, tu as volé ? Il était 160 euros. Ça, c'est moi, je paye. Allez, voilà. Bon, qu'est-ce que je sais pas, on fait quoi ? Je sais pas. Mais non, il fait un truc de fou. Tu as un téléphone sur toi ? Non. C'est moi ton téléphone. Je vais pas te le voler. On peut en acheter 40. Mais il est bien ton téléphone en plus. Pourquoi tu voler ? Donc en fait, tu m'as volé mon téléphone. Mais tu as un iPhone combien ? 7. iPhone 8 dans les mains. Tu sais ce qu'on fait ? On fait une épreuve des forces. Une épreuve de force, toi et moi. Mais à mon avis, tu vas perdre. Je te le dis de suite. On fait l'épreuve. Vous êtes prêts avec lui ? Bon, tu as son téléphone ? C'est moi. Ah, c'est toi qui as le téléphone. Alors simple. On fait l'épreuve de force, toi et moi. Ouais. Si tu gagnes l'épreuve de force, tu récupères le téléphone. Si je la gagne, moi, l'épreuve, c'est moi qui le garde. Ah, c'est pas souci. D'accord, tu vas me battre. Ouais, tu es costaud, tu as ma force. Tu vas faire un peu les biceps. Ouais, tu es vaillant pour voler le téléphone, on va voir si tu es vaillant. Non. Bâtard, tu sais ce que tu vas faire une tour avec Non. Il va rien te faire, n'aie pas peur, Christian. Voilà, il va rien te faire. N'aie pas peur. On va faire, Fringin. On va faire l'épreuve de force. Il y a l'alimentation en bas au quartier. Ouais. On va demander s'ils ont de la glu. S'ils en ont, tu mets de la glu sur les barreaux. Tu captes, et tu veux le coller dessus ? Et quand tu vas se mettre les mains, il va rester collé. Donc là, les gars, tout simplement, il y a Soso qui est parti à l'alimentation chercher de la glu pour voir s'il y en a. Je peux pas rester ça sans punir, je peux pas appeler la police parce que bon, ça servira à rien. Donc là, on va faire ça, on attend Soso. Quand Bâtard revient avec le mec, on fera l'épreuve et on mettra de la colle en secret. Dis-moi qu'il y avait de la colle. Dis-moi qu'il y en a. C'est pas grave. Oui, c'est des tubes minuscules, frangin. Oui. Bâtard, il est où ? C'est taillé, oh, ouais, il est parti où, frère ?
appelle-le, tu dis qu'il revienne. On va mettre de la colle sur tous les barreaux, sauf les demi. Comme ça, même s'il se met la basse, il peut choisir le barreau qu'il veut, il sera collé. Sur tous les barreaux sauf sur les deux là, on va vite rappeler bâtard, ce soir il a dû aller le chercher, comme ça quand il revient le mec il met les mains sur les barrières et il reste collé. C'est bon, j'ai le droit à sa petite morale quand même. Ah ouais frangin. Bon écoute, t'as vu là, tu connais, c'est ton quartier, c'est chez toi. Alors le but c'est quoi? Moi je vais prendre deux barreaux, je vais me mettre là pendu, les pieds ils doivent pas toucher le sol, d'accord? Celui qui reste le plus longtemps il a gagné. C'est bon pour toi? C'est quoi, c'est le truc, c'est quoi? Ça fait deux fois que je sors Koh-Lanta. Moi je prends ceux-là, on se met en même temps. Ouais, ceux-là comme tu veux, compte à rebours. 3, 2, 1. Allez, vas-y, lâche les pieds, triche pas. Ça va? Je te fous pas trop? Sûr? On va voir s'il va gagner. Quoi, je l'ai filmé? Allez, j'ai perdu. C'est bon, je peux lâcher. T'arrives à faire une main, Oh, c'est quoi ce piste? C'est quoi? C'est quoi, c'est qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous m'avez fait, oh? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, Baron? Qu'est-ce qu'il y a? Attachez-moi au démon! Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Comment, c'est quoi? Je n'arrive pas, c'est quoi? Au démon! Qu'est-ce que vous avez vu, quoi? Non, mais moi, je sais pas, c'est quoi? C'est quoi? Au démon! On n'a rien fait! Tu veux le téléphone? Je le mets dans la poche, allez. Non, voilà. Ah, le temps qui reste? Attends, tiens, voilà. Au moins, il est voleur. T'as essayé d'être avec le pied pour voir. Vas-y, essaye. Vas-y, tu es presque, hein? Fais voir, vas-y, il essaie de mettre des coups de pied, je te le rapproche, voilà, vas-y, essaye. Voilà, non, mais c'est mieux ça que te faire payer de l'argent ou te voler le téléphone. Bonne soirée. Ah, c'est la fin de trop, le sang. Ciao. Non, c'est bon, on veut pas ton téléphone, on n'est pas des voleurs. Quelle bien ça taille, on se taille gros les gars. Mais moi j'ai mon sorti. Vas-y viens, on se taille. Bon les gars, on s'en va. Oh ta gueule, je fais le. Oh, ferme là, je fais l'outro. Bon les amis, on s'arrache. Ce fut une magnifique journée aujourd'hui. Il me rend fou. Bon. On se retrouve chez moi pour une petite conclusion. Ferme ta gueule! Allez les gars, on se retrouve chez moi pour une petite conclusion. J'espère que la vidéo vous a plu. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous la partagerez si vous l'avez kiffé, que vous mettrez un like, que vous mettrez un commentaire pour dire votre avis. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est simple, ça s'est affiché tout le long de la vidéo. Il y a Snapchat et Instagram, vous pouvez nous suivre H24 et 7 jours sur 7. Mais comme vous êtes nombreux à nous le demander, si vous voulez porter notre marque, si vous voulez porter nos casquettes, nos bonnets, nos shorts, nos pulls, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Malgré tout, je suis content de ce qui est arrivé au jeune homme. Je suis content de sa punition. Et sachez malgré tout qu'à la fin, il a quand même pu s'enlever des barreaux et rentrer chez lui tranquille. Voilà, c'était Kamoff. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien. Et si vous voyez une personne en détresse, n'hésitez pas à l'aider plutôt que de la dérober. C'était Kamoff. Gros bisous à tous. Ciao.